Bonjour à tous et à toutes, salut c'est Natech. Aujourd'hui on se retrouve sur le jeu Dishonored, Dishonored, ça dépend si on est français, anglais, le langage dont on parle. Aujourd'hui on va pouvoir entamer un nouveau let's play, puisque qui dit nouvelle chaîne dit nouveau let's play. Et on va commencer un peu cette sorte de playthrough. Donc j'ai déjà commencé le jeu pour voir à quoi il ressemblait, et il ne déçoit pas mes attentes, que ce soit au point de vue sonore, scénaristique et graphique. Donc je vous propose qu'on entame une nouvelle partie, puisque ça va être assez long. Donc je vous propose qu'on se mette en mode, non pas hardcore, donc on va se mettre en mode normal. On pourra augmenter au fil de l'aventure, c'est-à-dire la difficulté, donc voir si on peut améliorer ceci. J'aurais souhaité confier cette tâche à un autre. Donc j'ai mis les sous-titres pour votre part, donc on va écouter la cinématique. Mais je ne vois personne. La cinématique. Le maître espion a eu raison d'insister. La peste a emporté tant de monde. Nous devons trouver un remède. Mon cœur n'est en paix qu'à vos côtés. Émilie et moi compterons les jours jusqu'à votre retour. Revenez-nous vite, avec de bonnes nouvelles. Donc voilà, donc ça c'est la lettre de la duchesse ou la reine qu'elle nous a envoyée pour qu'on puisse venir la voir. Doucement. Donc les voix sont bien évidemment françaises, puisque le jeu est créé en France, donc il n'y a pas d'histoire de mauvais doublage ou quoi que ce soit, c'est parfait. Donc là on va utiliser notre souris, to see around me, pour voir aux alentours. Donc par contre il n'y aura pas tous les dialogues pendant le let's play, ça sera vraiment que les dialogues essentiels, donc comme nous est proposé le jeu. Possible. On vit une drôle d'époque. Par contre, je vais voir un truc. Hop, on va aller dans les options, ce qui va vous permettra de les voir avec. Niveau de détail, élevé. Mode anti-crénelage, non. Ombre des rats, oui, c'est parfait. Se déplacer, c'est comme un bon vieux FPS. Donc on pourra dire que c'est une sorte de Bioshock-like. Bon, après, c'est vraiment un jeu qui rentre plus dans la catégorie de style MMORPG, mais. Parce qu'il y a des quêtes à accomplir au fur de l'aventure. Donc là, on va rentrer dans le bâtiment. Vous allez voir, c'est assez spécial. Donc c'est vraiment moderne, quoi. C'est. Alors là, on monte. Ah, donc là, c'est vraiment fermé, là. Et du coup on monte, tranquille, tranquille, fatou, fatou. Donc j'hésitais à faire le let's play au départ parce que je ne savais pas si ma carte graphique supporterait le jeu, mais elle supporte plus que bien, donc on va pouvoir faire cette aventure ensemble. Et donc les épisodes dureront 20 minutes et j'hésite encore à en diffuser un ou deux par semaine. Dites-moi ce qui vous convient le plus, enfin le mieux. Je crois que je peux sauter dans l'eau. Par contre, c'est pas comme dans Battlefield, quand on saute, ça va pas plus vite. Donc là, faut avancer. Et là, il y a une petite fille qui va nous faire une petite accolade. Donc, il y a la fille de la duchesse. Tu as vu des baleines ? Tu veux jouer à cache-cache ? Ah, tu parles trop, fillette. Pose-moi ta question. Mère est occupée. Elle parle avec ce vilain maître espion. Voilà. Et là, je dois aller la voir. Donc, c'était le résultat de. C'était ce qu'elle nous disait dans la lettre. Il fallait qu'on aille la voir le plus rapidement possible. Ravi de vous revoir. Ravi de vous revoir, Protector. Cessez de bouger, Campbell. Et vous, Corvo, bien le bonjour. J'ignorais que vous étiez parti. On l'a envoyé dans les. Très jolie peinture. Niveau graphisme, c'est plus que sublime parce que tous les dessins ont été faits à la main avant d'être numérisés et de faire un certain rendu 3D. Il faut savoir que le moteur graphique du jeu, c'est celui qui a été fait, qui a été créé pour Unreal Tournament 2004, donc c'est Unreal Engine. Pas de criminel. Là n'est pas la question, votre majesté. Ce sont mes citoyens. Et je ferai tout pour les sauver de la peste.
Sans exception. Très bien. Nous ne parlerons plus de cela. Maman, Corvo est là. Merci, Emily. Laissez-nous, je vous prie. Tout de suite, Majesté. Oh, il est pas beau, le mec, hein. Corvo, quelle surprise. Vous avez 2 jours d'avance. Rien de moins. Pourquoi il me dit rien, lui ? Comme il est bon de vous revoir ici. Quelles sont vos nouvelles ? Enfin, ça va. Ah, quand même bien, la duchesse. Hein. Pas mal numérisé. J'espérais que cette maladie. Je crois qu'elle est pas contente. Alors là, c'est le problème, c'est qu'on se retrouve avec un gros bug. Je ne sais plus quoi. Hop. C'est le bug d'interaction, donc l'animation se passe à l'intérieur de cette zone, donc on peut pas y rentrer. On peut même sauter là. Enfin, j'ai pas envie d'aller m'éclater sous les rochers en bas. Mais où sont les gardes ? Qui les a congédiés ? Ah oui ? Là-bas, qu'est-ce qu'ils font sur le toit ? Quoi ? Emily, viens ici. Oh ! Ah ça je l'avais pas vu en y jouant la première fois. Donc là, on va se retrouver avec une arme. Donc, maintenez contrôle gauche pour bloquer les coups d'épée. Si votre timing est parfait, l'adversaire sera déséquilibré et vous aurez la possibilité de réaliser une contre-attaque fatale. Ou sinon... Voilà. Voilà, comme ça aussi, ça fonctionne. Là, il y en a un autre. Voilà. Corvo, merci. Si vous n'aviez pas été là... Oui. Aïe. Pas tout pisse le sang. Là, c'est vraiment le premier épisode va vraiment servir à mettre la trame scénaristique en place. Après, on sera un peu plus calme dans la ville. Ah, par contre, elle est plus moche de proche. Hein. Trouvez Emily, protégez-la. Vous êtes le seul. Vous saurez quoi faire, n'est-ce pas? Alors moi c'est pas un problème, hein. Je peux, sauf si on m'accuse bien sûr. Juste ciel, mais qu'avez-vous fait? C'est lui, il a tué l'impératrice. Ah bien sûr, le maître espion, quel enfoiré. Qu'avez-vous fait? C'est lui qui m'amuse. Traître, son propre garde du corps, quelle ironie. Vous le paierez de votre vie, Corvo, emmenez-le. Mais quel salaud ce type. Et voilà, je me suis fait assommer. Ça fait très Harry Potter quand même l'apparition du titre. Hein. Donc vous pourrez éliminer tous les ennemis que vous croiserez. Merci, j'ai pas fini de lire. Et nous allons être en prison, je suppose. Bagne, c'est le bagne. Non, je veux pas passer à la cinématique. C'est votre dernière chance, Corvo. Ah, d'accord. Et laissez-moi vous administrer les derniers sacrements. C'est assez pour l'instant. Sortez. Laissons-lui du temps pour réfléchir. Ce qui m'a fait mal, le salaud. Corvo, l'impératrice est morte. Sa fille Emily est bien cachée et personne ne saura jamais la vérité. Ah ouais, d'accord, c'est lui. Dès demain, vous serez exécuté, mais c'est pour une bonne cause. Oh, les salauds. Capable de guider les faibles. Il a besoin. Lui, il a vraiment une gueule de con, celui-là. Il est tout ridé. C'est Robert version adulte. Presque fait échouer le plan. Mais tout s'est arrangé. Vous étiez au mauvais endroit, au mauvais moment, et il nous fallait trouver un coupable. Niveau doublage, c'est pas mal quand même. Pas une seule erreur. Garde, amenez-le à sa cellule. Mangez donc, Corvo. Ce repas vient d'un ami. Ah, merci, mon brave. Surtout vu ce que je sais, ce qu'il y a sous le pain. Attention. Corvo, qui nous sommes
n'a aucune importance pour le moment. Sachez simplement que nous avons confiance en vous. Voilà la clé de votre cellule. Lorsque vous serez dehors, dirigez-vous vers la salle d'interrogatoire de la prison. Prenez l'explosif qui s'y trouve et placez-le sur le portail du bagne. Quand la bombe sautera, courez vers la rivière et engouffrez-vous dans les égouts. Vous y trouverez quelques pièces d'équipement utile. L'un des gardes de la prison laissera une arme juste à l'extérieur de votre cellule. Bonne chance, nous avons besoin de vous sains et saufs pour la tâche qui vous attend. Un ami. D'accord, pas de problème. Pas de problème. Oh, par contre, je prends l'argent, monsieur. Appuyez sur C, hein, donc on va pour passer en mode furtivity. Et ça, c'est pour le tuer. En fait, il y a plein de moyens de tuer. On peut neutraliser sans le tuer. Lorsque c'est celle de Corvo, le gars qui a tué l'impératrice et enlevé la petite. Ah bah, il est tué. L'accès à l'aile d'isolement est interdit aux équipements gardiens, sauf accompagné par un officier de la garde. Ou toi. Que je te regarde, toi. J'ai rien fait de mal. Je mérite pas de choisir ici. En fait, j'ai l'impression qu'ils sont en train de... Ils ont envoyé tous les mauvais, tous les bons en prison en fait. Ou petit rat. Ouais. On va le découper. Hop. Pour manger. Il n'a plus des munitions. Bon voilà, je crois qu'on a un peu tout pris dans la pièce. Mais en fait, j'ai plus besoin de boire de potions de santé du coup. Attention. Oh bah voilà. Oh, on va faire un truc. Monsieur mérite le bagne. Moi, bon, il a caché la truc. Pas d'accord. Tiens, tu mérites la potence. Ah oh. Bon, il s'est éclaté par terre, c'est pas grave. Vous croyez qu'on peut asseoir l'autre? Tu crois qu'on peut l'asseoir? Attention. Tu vas t'asseoir sur la chaise. Moi, t'as cassé la chaise aussi. Pas cool, hein. Attention, hein. On va se planquer. On va éviter de perdre de la vie inutilement. Hop, ça y est, on est dans la salle d'interrogatoire. Je crois qu'on pouvait plus l'ouvrir cette armoire. Ça va, pas trop mégalo. Je sais pas s'il n'y a pas des épées qui sont meilleures que d'autres. Oh, tu m'emmerdes, tu fais trop de bruit. Rapport de l'officier de garde interrogatoire de Corvo, Corvo Atano, anciennement protecteur royal, va être amené ici pour être interrogé. Cette affaire est de la plus haute importance. Le Lord Régnant et le grand superviseur Campbell conduiront l'interrogatoire en personne. Suivez leurs ordres à la lettre et gardez-le tourmenteur sous contrôle. Si Corvo meurt de sa main au lieu de l'exécuter public, souhaité de l'exécution publique souhaitée par le Lord Régnant, c'est votre tête qu'on tranchera. D'accord, donc il faut pas que je me tue moi-même, sinon... Sinon, je sais pas, bah. Ça, on va l'utiliser après. Extrait du livre des pratiques esthérotiques de l'abbaye. D'accord, très bien. On n'est pas là pour la lecture. Ah, ça doit être le coffre-fort, je suppose. Hey, yes. On peut même le refermer. C'est les taxes de l'huile, d'accord. Voilà, il n'y a plus de... Ah, pièce. Tasse à thé, très bien. Oh, oh. Toi, gentil monsieur, viens voir papa. À quoi, cette espèce de larme?
Merde, j'ai utilisé une potion. Quel con. On va se la jouer furtif. Mais ils ont rien entendu, c'est sourd. T'es vraiment sourd, mon pauvre, hein. Alors le mec, j'ai tué, il l'a pas, il a rien compris. Je vais mourir. Quelqu'un pour m'aider. Hop, et là on fait attention surtout. Il y a un gentil rat qui fait la danse. Il fait la danse des canards. Ah, il a une clé de la cour. Attention. L'exécution de demain est réservée au personnel affecté à cet événement. Mais il faut que tout soit prêt aujourd'hui. J'ai hâte de voir sa tête tomber. L'impératrice Sultan ne l'aimait pas, mais moi si. Mais moi si. On ne l'aimait pas, moi si. Alors, on m'a dit quelque chose. Ah oui, d'accord. Ah, d'accord. Merci, mon ami. Merci, très intelligent. Alors, lui, il a l'air un peu con. Lui, je sais comment je l'ai eu la première fois. N'empêche, la façon de se déplacer comme ça et d'aller se planquer, c'est... Hop. J'ai la paf ou attaque, hop. Lui, la dernière fois, je lui ai coupé la tête. C'est pas drôle parce que quand ils sont morts, on peut pas. Donc là, on prend tout. Parce qu'au cas où il y ait voilà, des potions comme ça, ça permet de se régénérer à n'importe quel moment. Oh merde. Donc on va finir la mission qui est ici. Mais quel con. Mais quel con. Mais alors là, on y va. Allez, mode bourré. Et là. Mais il est où le deuxième? Coucou. Tu m'as pas vu? Donc, quand je dis vraiment que les épisodes dureront aux alentours de 20 minutes, c'est vraiment variable. Ça dépend de la mission à faire. Là, c'est vraiment. Parce que j'ai envie de finir. Ah, Mac à la pizza. Tu vas finir la mission? Tu vas finir la mission, Mac? Il y a tellement de possibilités dans le jeu. Est-ce que tu crois que je peux sauter comme ça? Vas-y. Oh putain. Oh merde. Ils sont pas contents, les messieurs. Allez. Ah, dans les égouts, c'est foutu. Tu vois, ils m'ont pas vu. Allez, un petit drift pour la fin. Comme ça, on arrive à monter les escaliers à l'envers et les redescendre. Donc voilà, nous allons dans les égouts. Donc nous sommes à peu près échappés. Donc moi, ce que je vous propose, c'est de nous retrouver très prochainement pour un deuxième épisode. J'espère que d'ici là, vous vous porterez bien. Et n'hésitez pas à me dire si vous souhaitez deux épisodes ou un seul par semaine. Je vous dis à très bientôt. Ciao, bye bye à tous. C'était Natech.